Alors, monsieur Marion, qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, je la trouvais un petit peu en surpoids. D'accord. Puis même, je sentais qu'elle ne se sentait pas très très bien en ce moment, elle est un peu essoufflée. D'accord. Et je m'inquiète un peu pour elle. Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que vous utilisez? Des simples croquettes du commerce. Des croquettes banales. Oui, bah alors, faudrait plus faire attention à ses besoins nutritifs. D'accord. Ce que je peux vous proposer, c'est. On a reçu tout récemment au cabinet un nouvel échantillon de croquettes. D'accord. Qui a l'air très intéressant parce que c'est des croquettes qui vont être. À la fois très saine pour l'alimentation du chien qui répond aux apports nutritifs selon les différents types de races. D'accord. Mais aussi en même temps c'est tout nouveau, ils essaient de lutter contre le gaspillage alimentaire en ayant récupérant des aliments de restauration par exemple. Donc c'est vrai que le chien va manger la même chose que vos enfants. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose de très sain et équilibré. En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année. Autrement dit, un Français gaspille en moyenne 30 kg en une année. 47% de ce gaspillage concerne la distribution et la consommation de la nourriture. Pour réduire ce chiffre, la Croquette Co a décidé de passer des partenariats avec des grandes et moyennes surfaces dans tout le bassin rennais. Notre objectif, récupérer des aliments destinés à être jetés en raison de leur date de péremption. Nous collaborons également avec des restaurants universitaires où nous récupérons la nourriture invendue à la fin de la journée. Tous les restes collectés sont transformés en croquettes dans notre usine à Guichen. Pour éviter l'utilisation de plastique, nous avons choisi d'emballer nos croquettes dans des sacs de papier craft. Pépette, faut que je achète des croquettes. Just the two of us. We